comme d'habitude, les lignes rouges, et on en retrouvera un nouvel épisode de Witcher 3. Petit campement de bandits. Donc bon, on a continué, hein, on est juste avancé un peu pour nous faire gagner un peu de temps. Pas comme ça. Je suis deg, je vais te tuer. Allez, courage! Courage, hein. Ah oui, carrément. Voilà. Bon, je suis débérité en vérité. Hop là. Petit bague au jouquet. Oh, ils sont tellement géniaux, les interdits. Ils sont d'une gratuité, les bandits. J'adore. J'adore, je les Regardez, le chien d'Iguan était plus dur que toi. Encore temps de renoncer. Hop là! On monte tout! Doucement! Doucement les bottes! Non, y'en a encore. D'abord, on fait. On collecte notre nuit. Moi je suis content de revenir sur ce jeu. Si voilà, il a pu attendre nouveau PC, c'est raté. Parce qu'il va en jouer. Page 1, les huiles contre les insectoïdes améliorées, d'accord. Ok, ça marche. Des recettes améliorées que je n'utiliserai pas. Toujours très intéressant, évidemment. M'intéresser, c'est de repiquer Belkam, visiblement qu'on connaît déjà. Alors, il y aurait bien sûrement un nid de monstre encore ici à claquer, mais j'aurais bien piqué vers le sud pour voir un peu ce qu'il y a et aller à ce fichu panneau d'affichage. Ouais, tout ça on connaît pas. Hein. Ouais. Je finis ça. Parce que le problème, c'est que je sais pas quel niveau ça va être. Hein. Ici. Allons-y, on va piquer vers le sud. Par contre, pas galérer pendant 1000 ans. Ralentissons l'allure.
débrouillez-vous. Au polo. Level 12, t'as le même niveau que moi, Nakai. Allez, on voit du rêve. Oh, quand tu peux claquer une piste de son. Ouais, pas mal. Pas mal, hein. Un peu faiblard par rapport au reste. Garder un buisson. Extrêmement intéressant. Je gardais vraiment qu'un buisson. Je suis dégoûté. T'as pas un petit cadavre là qui traîne? Bon, un genre que t'aurais croqué. On va vraiment se prendre 3 plantes pour essayer de se consoler là parce que. Parce que c'est le drame. Au moins l'ours noir qu'on croise au début quand on arrive, lui au moins il y a un soldat caché derrière un rocher, voilà. Je dégue. Step là, y a rien. On y va. Pas de bruit. C'est chuté tout seul. C'est une sauvegarde, je peux. Des bandits, des meilleurs amis. Oh oui. Oh oui mes amis. Oui. À la main. À main. Hop là. Hop là. Il y a des gens qui ont été. Impressionnant. Allez mon toutou. Ce qui est fort chez les chiens c'est qu'ils t'assomment en boucle, en fait, ils t'étourdissent en boucle. Des loups que auprès de le coup où on allait. Je crois qu'on y allait. Bien sûr, Ablet, t'es pas foutu d'être dans le bon sens. Ouais, doucement. Ralentissons l'allure. C'est pas un peu. Je pense qu'on avait. Wow, Abel. Alors, change ici.
Par contre, ça m'a l'air d'être l'exacte copie du village où tu rentres tu viens chercher de la. Où tu croises la chasse sauvage sur la piste de cible, tu viens voir l'espion. Bestiole là-bas, type vampire. C'est la naissance du vrai qui garde avant. C'est le garde avant. Allez, pour me dormir les bandits là. Un rasoir. Va falloir que je le vende sinon je vais trop bien me raser. Incroyable. C'était un cadeau pour toi. Ok, donc non, le village est un peu plus courant, mais bon, cette place là il ressemble vachement, je trouve. Il va pleuvoir. Bon, c'est vrai. J'adore comment il nous dit ça à chaque fois. Il va pleuvoir. Donc ça fait déjà 30 minutes que c'est les clubs dessus. Il va pleuvoir. Certes. Certes. Je suis sans doute de répondre. Certes. Là-bas. Voilà. Merci, il y en a un qui a la décence d'avoir laissé un peu de picole. Le voyageur est guéri. Coffre caché. Pas de petit coffre là-dedans. On verra si y a un dedans. Rien du tout. Derrière, on fait toujours faire le tour des maisons. Même si 99% du temps on serait déçu. 9,9%. Ok. Enfin, c'est mieux ici. Quel endroit charmant. C'était bien. Un style, hein? Un style. Alors, je pourrais aller voir au bout de la route, voir un peu ce que c'est que ce truc. Aller voir ça. Et après, reprendre la route pour aller voir là, là. Et ouais, on va se faire ça. On va se boucler le sud, comme ça on y retournera plus. Et puis, comme ça, pour ceux qui. Sauf si j'ai déjà fait ou pas, si je l'ai déjà fait, il y a passé votre chemin. Ah, c'était par là. Trésor caché. C'est excellent ça. Ça c'est excellent, mais je me rappelle que j'ai plus de vie. Chut. L'aube.
arrête de flotter. Parfait. Oh là là. Il fait long. Un fiel. Franchement, il se fait, hein. Faudrait juste que je vois avec Igni combien je suis fait de dégâts. Parce que s'il y a vraiment moyen de l'accélérer. Et je voudrais voir surtout si ça affecte sa régénération de points de vie ou pas. Bah ça, j'ai peut-être encore une lutte contre cette bête. J'ai pas vu. Thank you.
aucun intérêt. Je suis pas sûr de quoi dire. Prends ton carreau d'arbalète en main. Ça c'est la charge horrible. Oui, parce qu'il nous frappe par terre. J'ai pas d'huile contre les vestiges. Oh, ça c'est embêtant. Pas d'huile contre les vestiges. Ah, j'ai plus assez d'herbe. Ça c'est dommage. Hein. Ça c'est bien dommage. Ok. Bon, c'est reparti. Tout est réparé, hop, je couette. Je suis chargé. Thank you.
Ok, d'accord. Ça, c'est en profite pour me charger. Ah, je suis sur équipe. Faute pas. Hop, c'est quoi? Ça va voir ta maison. Ah mais il se casse vraiment. Bah tu diras bonjour au cyclope de ma part. Vraiment cette manie de se barrer tout le temps, c'est incroyable. Pas de bandit. Ah, je suis un bandit, une vile créature. Ah oui, des trésors et des machins aussi. C'est vrai que j'ai des trucs. Ah oui, j'ai oublié de lire les... Necker. Ok. Bon, très bien. On peut ouvrir ou pas? C'est censé s'ouvrir, ça. Fais-moi plaisir. Quatre. Juste de bannard, assassin. Épée en argent de l'école de maître. Ça, ça peut peut-être être intéressant. Ok, donc c'était un trésor gardé ici. Ce qui était, admettons-nous, fort intéressant. Par une créature ayant encore beaucoup trop de niveau par rapport à nous. Et je pèse une tonasse. Ah. Bah on est léger, extrêmement léger. Je devrais jeter un œil aux alentours. J'avais loupé la petite marque, mais ça c'est bon. Intéressant. Ah, je vais dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais c'est mon filon, bien sûr, ça m'a une chaîne. On n'est pas parti très loin. Hein. Ce cheval qui est gardien. On y va. J'ai envie de garder votre salle. C'est vrai que ce soit juste cool.
Moins vite. Faisons une sauvegarde parce que j'ai pas de PV. Mais vu qu'il fait beau. Vu qu'il fait beau dans le jeu et que c'est quand même plus agréable. Pour vous, ne serait-ce que pour le voir de jour et pas sous la pluie. Jamais. Eh bien, très bien. On a fait le tour pour ici. Voilà. C'est la flamme de la conjugalité, finalement. Très bien, très bien. Donc, pour lui, c'est fait. La voix de King Bolt. Maintenant, il faut qu'on aille ici. C'est par là. Ralentissons la lumière. Ouais, ça manque de grands cercles, vous savez. Oh, Hamlet. Finalement, ces créatures herbivores, mais qui sont tout à fait capables et compétentes de péter la bouche à n'importe qui. Parce que crois-moi bien qu'un grand cerf, t'as pas forcément envie de supporter le virage et ça. C'est sans blette. Ah non, c'est bon. Let's move to Jerry. Let's move to the game. On s'arrête pas. Allez, U. On part sur le ciné. Non. Golem de Kayas. J'aurais dû. Chromeleg, j'aurais dû refaire. Oh. Celle-là quand même, c'est vraiment la meilleure. Le mec a un niveau d'humour quand même, pas très exigeant. Bon, là, je peux pas mourir contre un monstre qui a beaucoup trop de plomb. En temps normal, le golem de pierre, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Parce que figurez-vous, le golem de pierre, en temps normal, il n'y a pas trop besoin de le tuer. En temps normal, si vous êtes assez rapide, juste vous passez, vous prenez le loot et vous barrez. Le problème, c'est que je suis un peu alourdi. Ça va pas les ouvrir, ça va pas la pousser. Pourquoi pas, hein. De grignoter au cas où je serais besoin de caisser le baf. Il a l'air d'être en bout de celui-là.
pas le trésor gardé. Ah si, casser les deux là au pied du... Ok. Bouge le golem. Chargé quand même. Mais là j'ai rien demandé. Mais putain. Ah suis-moi élémentaire. J'avais la fin de la musique de combat. Motivons-le. Je peux pas lui mettre un carreau là. Super. Là, toi t'es pas scié par ton cercle de pierre. Je suis très déçu. Comment escroquer un caillou. Voilà, voilà. Heureusement qu'il était pas trop lié à son cercle. Après, son cercle de pierre. Du coup, j'ai pu escroquer tranquillement. Et il restait planté au bout en plus, comme un crétin. Excellent. Allons voir cette demeure. Et ce qui est marrant, c'est que tu trouves au beau milieu de ça des. Moins des vite! Des bandits claqués niveau 7, quoi. Enfin, même pas niveau 2. Doucement. Niveau 7. Ce truc qui. Déjà, faisons une sauvegarde. Faisons une sauvegarde. C'est quoi le. La lame que j'ai récupérée là? Si c'est une épée longue de demi-grade que j'ai récup. Okay. Ah, il y avait toi. On décide de Maribor, c'est nul. Lune. Lune. Qui ne fait que du 6 de plus. En sachant qu'on épée, elle a bien besoin d'un coup de réparation. Rien pour réparer mes armes. Faut que j'arrête de taper sur des gommes. Brigandine salmienne. Ok. Ah. Oui, mais j'ai avec ce groupe de résistance et intensité aussi de Digby. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup être tout feu, tout flamme.
les assassins les mêmes, mais en moins bien. Intensité du signe de Quen, c'est toujours pratique. Je regarde un peu ce qui se fait dans le milieu. Le paletot de Spike Rook. Ouais, super. Des gourdeaux. Pas utile. Pas utile. Très bien. Bien, progressons, je suis à l'heure. Maison du répit. Hein? Maison du répit. Pas si vite, tablette. Club des officiers réservés aux soldats en service actif, les plus gradés, tenues militaires complètes, obligatoires. Ouais. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce que vous foutez là? Je suis un club de pétanque. Bon, je vois trop là. Ok. Yeah. Bon, je pense qu'il faut en venir là avec le scénario plus tard. Oh. Moins vite. Hein? Non, non, si, si, est-ce que je vois. Ah, après, il y a un tavernier, tavernier. Ça, ça m'intéresse. Doucement. On va voir si on a le droit de voler les joues. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Non, t'as pas le droit. Je vais vérifier. Jamais. On va peut-être pas sauvegarder ça. Juste pour un seul coup de sang, celui s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Je passe impérativement voir lui, parce que là j'en ferai. Disparu, c'est un disparu. Mmh. C'était juste un messager, c'est pas ce que je cherche. Chopier, le marchand. Il y a d'ailleurs pas le logo de course. Bonjour. J'aiderai volontiers. Alors, volontiers. Tiens, il me manquait ça pour pouvoir me faire de lui contre les vestiges. Là. Pas peut-être déjà sur moi, mais je m'en fiche. Je perds tellement de tout. Parce que là j'ai quand même 28 de perfos qui font mal aux cheveux. Je les ai gardés, j'avais beaucoup tombé. Hein. Il est déjà fauché. J'aurais pas dû. Ah oui, c'est pour ça que je les ai pas vendus. Trop cher. Ça va être un peu cher en fait. Je vais peut-être oublier de dire ça. 132 balles à peine. Vendre l'acier là, on va vendre un peu de 5 couronnes. Ah, c'est la merde, ça t'embête. Hein. Tiens, tu peux te viens de cru là. Voilà. Suffisamment, je peux bouger, c'est toujours pas 130 sur 130. Bon va. Mais merde, j'aurais dû. C'est nous, on peut rien faire. Et sortez votre bourse et faites la teinter. Ça peut attirer un volontaire. Ici, paraît prêt à tout. Hé l'ami, on peut vous poser une minute? Ouais, mais trop bien, je te compte. Je viens de loin. Je cherche après mon fils. Il servait dans la brigade Nazaire. Je dois le retrouver. Il le faut. Je n'appartiens pas à votre armée. Tant mieux. Notre armée me refuse son concours. C'est pourtant d'aide dont j'ai besoin. Si nécessaire, j'irai jusqu'à demander celle d'un troll. Je ne sais pas comment je dois prendre ça, madame.
frères d'armes ne vous ont rien dit ? Certains refusent de parler. D'autres mentent. Cet intendant, par exemple. Selon lui, mon fils, Robert, aurait quitté le campement pour partir en éclaireur. Sans jamais revenir. En quoi est-ce improbable ? Mon fils servait dans la brigade Nazaire. Ce ne sont pas des éclaireurs. Il me faut quelqu'un qui m'aide à retrouver Robert. Ou son corps. L'or n'est pas un problème. À quoi ressemble votre fils ? Il est reconnaissable entre tous. Dans toute l'armée impériale, je doute qu'un autre soldat ait sa chevelure. Couleur de feu. Un vif gardien roux. Son père était originaire de Mactovia. Là-bas, les gens ont la peau claire. Mon fils a hérité de ce trait et de bien d'autres. Puis-je compter sur votre aide ? Je ferai mon possible. Vous n'aurez pas à le regretter. Il n'est rien que je ne ferai pour Robert. Souvenez-vous-en. Je vais tâcher de me renseigner. Mon serviteur a tenté la même chose. Il a bu avec mes soldats, mais sans croiser personne de l'escadron de mon fils. Comme s'il avait cessé d'exister. Allez vous entretenir avec l'intendant. Il s'est défilé avec moi, mais risque de se montrer plus ouvert avec vous. Je le sens. Une mère sent ces choses-là. Eh bien, nous verrons. Un autre marchand. Je vois au loin. Des marchands, des tas de marchands. Voyez-vous toutes ces bonnes. Toutes ces bonnes bonnes. Trois ans d'apprentissage, il est même pas fou de tenir un marteau. Quel abonné. Je sais pourquoi. Bon, d'ailleurs, à quel point ton bonnet a plu, il est ridicule. Je peux regarder ce que vous avez. Alors. On va lui prendre tout de suite des outils. Comme ça, on n'en parle plus. Ça, c'est armure. Armure. Ah oui, d'accord, t'es un forgeron d'armure, donc tu vends que du matos d'armure. Je vais rester calme. Je vais rester hyper calme. Je vois pas pourquoi je m'énerverais, en fait. Euh, 3% c'est acceptable, 2% c'est refusé. 2% c'est refusé. C'est acceptable et c'est accepté. Les carreaux, ça vaut jamais rien. Mais c'est, par contre, ça pèse. Ça vaut rien, mais ça pèse. Pourquoi ? Je peux pas les vendre. Je suis condamné à les avoir sur le dos tout le temps. Ce qui est hors de question. Hein, ce marchand n'a plus les moyens. Qu'est-ce que flurque ? Vends-moi ces couteaux-là. Vends-moi ça. Là. Ah bon. 17 balles, je peux te claquer une armure ou deux, genre des bottes, des slips, des chaussettes. Trouve-moi un truc que tu veux bien m'acheter. Fatigue. 18. Ah, c'est embêtant. Hein. Tiens, achète ça. Voilà. À la revoyure. Je peux bouger. Tenir un marteau. Quel atroce. C'est pour acheter ou farfouiller ? Montrez-moi ce que vous avez en magasin. Je me mate. Il est forgeron, loose dé là. Te juge quoi. Ok, d'accord, c'est exactement ce que je porte. D'accord, très bien. Admettons. Épée longue de Skellige. Je sais pas si c'est utile. La Morana inférieure, c'est quoi ça? J'ai empoisonnement. Non, mais on s'en fout, moi je veux les tailles du dessus là. Je veux les runes qui sont plus grosses. Et je veux surtout tes outils d'armurier. Je passe mon temps à péter mes armes en combat, ce qui est très fatigant. Hein? Plaît-il? Oh. Ah oui, mais bon, oui, c'est 28 de perforant quoi. 28 de perforance, appréciable. Après, plus qu'un saut de dégâts, ça commence à faire beaucoup.
Je pense qu'on peut attendre un peu encore. Je pense qu'on peut, on peut se perdre d'attendre encore un peu. Filons-lui le gros couteau qui vaut une blinde. Des gants, des bottes, des machins, des trucs et des billes. Comme j'aime faire. Hein? Peut-être le spectre de l'ennemi. Quand ça quitterait. Je n'en ai plus les moyens. Le char. C'est vrai que ça vaut cher ça. Et pourtant il te rachète ça une miette de pain. Allez tiens, prends ça. 2 dollars. Attends, je vais trouver ça. Un bout de bois là. Tout claqué, bougie, tiens. La ficelle. Adieu. Allez, au revoir, à l'année prochaine. Bon alors ce fut foutu panneau dont on parle. Ouais, l'épisode va être trop long, je pense. Gardien de tous les silences. J'ai passé le panneau, ça c'est. Non, pas encore. Charge tout. Nouveau marqueur au milieu de la découverte. Sœur ne vivra plus là jusqu'à. Intendant Ekbracht. Racht. Ou un truc comme ça à peu près. Qui êtes-vous? Pourquoi fouinez-vous dans les parages? Je cherche du travail. Une seconde. Deux épées. Des yeux de chat. Vous êtes bien sorceleur. Gérald de Rive. Je suis Tavar Egebracht, intendant aux armées. On peut jouer aux cartes, hein. Oh là là. Fais voir ce que t'as. Montrez-moi vos armes. Fais voir ce que t'as, ma gueule. Préparation d'armure. Amateur. Oh, vas-y, je t'en prends un de plus. J'en ai trop, mais comme ça, je vais pouvoir te vendre quelques armures avant que tu tombes en rade. Disons que c'est pas perdu au moins. Ça, tu prendras pas. Ah, tu prends les consommables. Intéressant. Ah, ça y est, déjà fauché. Pff, t'es ridicule. Ah, joue aux cartes. Je suis le pire. Non, on va faire une petite partie de cartes. Ça hein. Fait un bail que je n'ai pas joué aux cartes avec un sujet de Sa Majesté Impériale. Une partie de Gwyn? Ta réponse s'en fout puisque tu vas dire oui. Alors. C'est vrai que je joue full Nornien. Parce que je change jamais d'armée, parce que j'y pense jamais. Donc, bon, bah, continuer avec les Nornien. Alors, je vais commencer. Très bien. Un frein mordant à temps dégagé, ça se garde. J'ai un corps à corps. J'ai un corps à corps qui a été remplacé par le même corps à corps. Je déteste ce jeu. Donc, là, l'intérêt, c'est du bouet la max. Ah non, elle s'était remplacée par une intempérie nulle et okay, l'autre a été remplacée par un corps à corps. Là l'intérêt c'est de lui mettre la max sur le premier tour mais tranquillement. Genre on fait croire que ça va bien se passer. Et d'un seul coup on le meule. Ah mais non toi du coup faut que je te garde pour plus tard. Et là on lui fait croire tranquillement, il a 8, je suis à 8 de puissance. Voilà, la puissance c'est inscrite à gauche là à côté de nos deux cailloux rouges. Je crois que ça se passe bien, le mec y croit mort. Voilà. Très bien. Je claque tout de suite ma compétence. Voilà. Très bien, donc il est déterminé.
Mais on est bien. J'explique pourquoi. On est bien parce que j'ai commencé avant lui et j'ai autant de cartes que lui. Alors je devrais en avoir une de moins. Donc là il est très content. Et là je lui jette un petit froid mordant. Soit je le laisse gagner, soit je continue à jouer. Je vais m'arrêter là. Je vais garder un peu de troupe. Ah, le salaud. Bon bah il a eu sa première manche et du coup il récupère une carte. Ce qui est bien. Ce qui me fait du tort, c'est que j'ai pas de troupes là. C'est vraiment. J'ai beaucoup trop de cartes spéciales. Oui, bah c'est ça. C'est... J'ai perdu. En fait, là, j'ai perdu. Là j'ai perdu, vous voyez il a gardé 4 cartes, bah, il a win. Si je tire pas un monstre j'ai perdu. Ça va, j'ai peut-être pas tout paumé. Là je peux pas contrer les corps à corps. Là je peux contrer que des archers. Je dirais pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez besoin que je développe sur le Wii ou pas, si ça vous paraît clair ou obscur comme système de jeu. Si on s'en dégage, et bien voyons voir ce qu'il y a. Ah, est-ce que je peux jouer mon tour dégagé genre en pré-shot? Non, on peut pas pré-shot le temps dégagé. J'ai gagné une carte. Qu'a-t-on gagné? Il me l'hérite. Ah, salutations, intendant. Honneur et gloire, Gérald. Alors, ce que je peux pour toi, c'est que j'ai rencontré. J'ai croisé une nymphe gardienne qui recherche son fils. Je la savais têtue, mais j'étais loin de me douter qu'elle recruterait un sorceleur. Disons que les larmes d'une mère m'ont ému. Et si toutes les mères du Nilfgaard venaient chercher leur fils, vous imaginez? Je n'en ai vu qu'une et j'ai promis de l'aider. Pas question de révéler les mouvements de nos troupes à un Nordien. Bon sang à vous et dites-moi tout ce que vous savez. Entendu. Un gamin aux cheveux roux, Brigand Nazer. Il y a peu, il a déserté avec plusieurs compagnons. J'ai donné l'ordre de les rattraper. On en a coincé quelques-uns au marais près d'ici. Les autres ont filé. Ceux que vous avez repris, que sont-ils devenus? Pendus haut et court. C'est la guerre. Mais je ne peux pas vous dire si le Rouka était du lot. Pas très consciencieux de la part d'un officier impérial. Je m'attendais à mieux. Si j'avais signalé la fuite de certains, il aurait fallu continuer les recherches. Manquant du temps et des ressources nécessaires, j'ai préféré écrire qu'ils étaient tous morts. Et puis, survivre dans ce marais. Je vais voir si je les trouve. Intéressant. Mais nous avons une quête, nous avons une quête. Ma fille, que nous avons une quête. J'en vois un marqueur qui se balade. Allez, c'est la maison du répit. Moi ça. On a besoin de répit. Tenez,
essayer de dire une femme qui leur se lave qu'une fois toutes les trois lunes. Ah. Ajoutons un peu de convivialité. Je vais prendre ma blette, on va aller checker ça vite fait. Et puis on mettra fin à la vidéo qui est déjà un peu trop longue. Il faudrait que j'essaie de faire des épisodes normalement corrects hein, sur The Witcher. On lui parlait de la Ah, je me suis lancé, c'était pas trop. Oh là! C'était chaud. Poussez-vous, paysan! D'ici. Intéressant. Un requin. C'est sûrement lui. Je dois trouver autre chose pour en être certain. Ah non, le requin ça crame pas, crétin. Une lettre adressée à sa mère. Le moins que je puisse faire, c'est la lui porter. Et ce sera tout. Hey. Ah oui, donc on va cramer, d'accord, il comprend. Tout bon. Il dort, il est pas mort, ne rêvez pas. Ceci d'un requin, il n'a pas d'âme, il ne peut pas mourir. Que ce soit. Oui. Je souhaite connaître la vérité. Qu'elle soit douce ou douloureuse. Il me faut savoir. Votre fils est mort. Comment est-ce arrivé? Il a déserté, a été arrêté et pendu. Mensonge! Je l'ai trouvé pendu avec les autres. La vie placardée sur l'arbre était très claire. Je ne vous crois pas. Mon fils n'avait rien de lâche. Croyez ce que bon vous semble. J'ai trouvé une lettre sur lui. Elle vous est adressée. Mère, il se peut que ce soit là ma dernière missive. Dans tous mes courriers, j'ai menti. Je n'ai rien d'un héros. Je ne prends nul plaisir à tuer des Nordiens. Cet endroit est un cauchemar. Je l'ai supporté jusqu'ici, mais c'est devenu intolérable. Il y a peu, on nous a ordonné d'exécuter des prisonniers. Sais-tu ce que ça fait de tuer des hommes sans défense? Il me faut fuir cet endroit. Mon petit, mon cher. Vous l'avez retrouvé pour moi. Tenez, c'est pour vous. Et bien voilà, c'était les liens du sang. Je vous remercie, c'était Knarfonk sur la commande pour ce Witcher 3 et je vous dis à la prochaine.